Tu t'en sors, Rigo? Mais jette cette voiture, Nadine. Elle va finir par te lâcher. Je peux pas, Rigo. J'y arrive pas. Éteins ça! On peut faire un bout de chemin ensemble? Son regard, je ne vaux même pas 10 centimes. Moi, je garderai en prime les vapeurs de ce souvenir sublime. Et la musicalité en mime de ce mythe intermittemment infime que sa démarche imprime. Coucou, mon Rigo. Bon, ben, je suis à l'aéroport de Panama. On va pas tarder à décoller. Oh, surtout, je te souhaite un bon anniversaire, mon chéri. Et puis, on se voit tout à l'heure. À ce soir. Gros bisous. Tu es prêt? On y va? Cherchez quelqu'un d'autre, madame. Tu plaisantes, Rigo. Puis arrête ton cinéma. C'est important. Donc c'est votre problème, madame. 10 ans qu'on se connaît. Et tu veux que je monte toute seule, jusque là-bas dans ma vieille voiture? Tu es peut-être doué pour les mots, hein, mais tu n'as aucune parole. Thank you.
comme il fait, c'est pour qu'il s'améliore. Mais il est dans la révolte tout le temps. Il est dans la révolte. Bonjour. Merci d'être venu. Vous venu nous aider. Super. Ah bonjour, ça va. Vous venu nous donner un coup de main. Exactement. C'est quoi là? Frigo. Viens, viens. Je suis là. Oui. Quand j'étais petit, j'avais un chien ingérable. Il respirait par les fesses. Un jour, je lui ai dit, mais de rassis. Il obéit, ce pauvre con. Il s'est assis. Mais il est mort, quoi. L'autre jour, au Kentucky, je croise mon ami John. Je lui fais, hey, salut Johnny, ça va? Il me répond, ben ça va, Rigo. Juste que ma mère est morte la semaine dernière. Non, Johnny, c'est pas vrai. Et qu'est-ce qu'elle avait? Mais pas grand-chose. Juste une table basse et du rhum. Eh bien, vous n'êtes pas gêné. On ne s'est pas croisé ce matin.
pourquoi t'as raturé ça? Je m'appelle Mayotte. Moi, c'est Rigo. Mayotte. Tes parents t'ont vraiment appelé Mayotte. C'est vrai que Rigo, c'est tellement plus sexy. Rigo, c'est pour Rigobert, mademoiselle. Fils du roi Constantin, lui-même. Ok, j'avoue, égalité pour les prénoms à la con. Moi, j'aime bien Rigobert. T'es sérieuse? Rigobert. Le bon roi Rigobert a mis sa culotte à l'envers. Tu fais ton marché aux fruits? Ça dépend si j'en trouve à maturité. C'est dommage, ton texte démarrait bien. Bon, j'y retourne. Je peux t'emprunter ton... Rigobert? C'était quoi tout ce cirque, Rigo? C'est bon? Tu as épuisé tout ton stock de blagues débiles? Tu vas peut-être pouvoir écrire quelque chose pour ta maman maintenant, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Un mango. Enfin, je crois. Un mango? On dirait plutôt... Une saucisse. Ouais, c'est ça. Une saucisse. C'est bien mieux sans chapeau. Merci pour la danse.
tel morceau préféré de ma mère. Mais c'est un bel hommage. Pourquoi tout le monde veut que je l'honore? Pourquoi tu... C'est elle qui a foutu le camp. C'était pas sa faute. C'était pas ta faute. Je fais comment maintenant? Ah, te voilà. Tu as vu? Les gens continuent d'arriver. J'aurais voulu vous aider, mais je n'ai aucun talent. Ce matin, j'ai essayé de dessiner un mango. Ça ressemblait plutôt à... Une saucisse! Rigaud. J'ai été une saucisse ce matin. Je suis désolé. Je vous demande de bien vouloir m'excuser. C'est pour toi. Bonsoir, mesdames. Je suis une saucisse, déposée à l'étal d'un pupitre. À l'heure du choix et du libre arbitre, nous le sommes tous, pris entre deux feux. Le néo et le feu, l'envers et l'envieux, la chair entre deux tranches de pain. Pain somme ou bon point, rouge ou blanc, blanc ou noir. La vie ou la mort, qui nous vont si bien. Oui, une saucisse, une chair égarée, savamment disposée entre deux tranches de vie. Celle de mon jadis dénué de doute et celle que ta mort m'a amenée ce petit matin d'août. Mais en l'attendant, en t'attendant, je continuerai mon voyage, satisfait qu'aujourd'hui, mes larmes grises de colère se soient tues, à jamais diluées dans ces quelques mots dont j'entrevois enfin la vertu. Je dois y aller, j'ai une copine qui m'attend. À plus tard. D'accord. Mayotte. Mayotte. Mientras no haya justicia,
tendremos paz viviendo dictaduras. Te busco y no te encuentro, tu torturado cuerpo no sabe encontrar.